la Société d'État Côte d'Ivoire PME s'engage pleinement dans la promotion des start-up, des entrepreneurs dynamiques, des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire. Son objectif est de soutenir activement la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement de ces acteurs économiques essentiels. Pour être au plus près des entreprises à travers le pays, elle a mis en place des bureaux régionaux. Pourquoi ces bureaux? Quel rôle jouent-ils? Monsieur Jaurès Gondo, directeur du développement économique régional et de la promotion de l'entrepreneuriat, nous en parle. L'un des objectifs majeurs poursuivis par Côte d'Ivoire PME ces dernières années est d'accompagner les PME ivoiriennes au plus près de leur réalité et de leurs besoins en mettant à leur disposition un dispositif d'accompagnement non financier robuste qui leur permet de pouvoir accroître leur valeur ajoutée, créer de l'emploi, améliorer leur rentabilité et les inscrire dans une dynamique de croissance pérenne. Grâce au leadership de la direction générale et à l'engagement affirmé de nos partenaires techniques et financiers, à date, nous disposons de 10 bureaux de développement économique régionaux, que sont Abengourou, Bandoukou, Korogo, Odiené, Mans, Dalowa, San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan. En compagnie de M. Ghislain Kouakou, allons à la découverte du bureau de Yamoussoukro. Bienvenue à Côte d'Ivoire PME, BDR de Yamoussoukro. Bonjour, comment tu vas? Ici, nous avons l'accueil où nous recevons nos différents bénéficiaires, nos différents PME et porteurs de projets. Et après enregistrement au DEX, après avoir collecté certaines informations, nous les conduisons vers la personne adéquate. Ici, nous avons la salle de coaching, là où nous recevons nos différents bénéficiaires pour leur apporter de l'appui à la structuration, à la formalisation, en tenant compte d'un pré-diagnostic et d'un post-diagnostic. Ici, c'est la salle de formation. Donc, pour nos différents bénéficiaires, que ce soit dans le cadre des différents programmes, que ce soit aussi à la suite des DEX de service, nous formons ici nos différents bénéficiaires à suivre différents modules selon leurs besoins. Alors, ici, nous avons le centre de mise à niveau et de conformité qui permet de pouvoir accompagner l'entrepreneur de bout en bout, en lui permettant d'avoir les bases en termes de formalisation, en termes de structuration, et aussi à la fin, lui délivrer une attestation de mise à niveau et de conformité pour le rendre crédible vis-à-vis des partenaires financiers ou des partenaires techniques. À la suite de ce qui vous a été présenté, nous intervenons sur plusieurs programmes, comme le 2PA Bélier, comme le projet PAPS Group et bien d'autres programmes au niveau de notre portefeuille. Et nous intervenons dans la prolongation de ce qui se fait à Abidjan, la direction générale. Et nous sommes situés à Morofé, non loin du foyer des jeunes. Alors, nous vous invitons à venir nous visiter, car nous sommes là pour vous, aider à vous formaliser, à vous structurer, à avoir accès au financement, accès au marché et aussi travailler sur votre stratégie d'exportation et d'externalisation. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.